peut passer à la question suivante. Question suivante qui va être apportée par Denis Laporte. C'est bien ça. Merci, Monsieur le Président. C'est pour le comité local pour le logement autonome des jeunes. C'est pour désigner 8 représentants. Le comité local pour le logement autonome des jeunes, appelé CLAJ, du Mortainais, est une association de loi 1901 créée en 2010 à l'initiative des collectivités locales. Le CLAJ intervient sur la commune d'Isigny-de-Buat, sur les ex-communautés de communes du Mortainais et du canton de Saint-Hilaire du Harcouët, et mène 2 actions principales. L'action des jeunes de 16-30 ans pour les informer et les orienter sur toutes les questions liées au logement, les accompagner dans les démarches, les mettre en relation avec des propriétaires bailleurs proposant des logements en location. L'organisation d'un logement temporaire en sous-location autour de Mortain-Bocage, jeunes en formation, stage, apprentissage ou CDD. L'association gère dans ce cadre 8 logements, 15 places en hébergement temporaire, 5 logements HLM à Mortain-Bocage, 3 logements communautaires mis à disposition gratuite à Usson, commune du Tailleul et à Barenton. Il est nécessaire de désigner 8 représentants de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie au sein de ce comité. Donc il vous est donc proposé de désigner 8 représentants. Et dans la proposition, il y avait plusieurs noms déjà, puisque c'est comme c'est sur un secteur particulier du territoire, de reprendre en grande partie les gens qui siégeaient déjà. Donc Evelyne Pelcha, Jessie Orvin, alors moi-même je venais m'ajouter en tant que vice-président en charge de suivre le CLAJ, Hervé de Sorouer, Paulette Mathéroufoy Junior, de prénom. Non, c'est Viviane Vincent, mais non pas Evelyne Vincent. Et il restait donc 2 places, éventuellement, s'il y a 2 candidats pour compléter. Donc nous avons Marie-Claude Hamel, qui est candidate pour combler cette liste sur laquelle il manquait de 2 noms. Donc il reste une candidature. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Monsieur Vaupré, on vous appelle. Oui, il a dit oui. Il a dit oui. Bien, donc je redonne la liste dans sa totalité. Evelyne Pelchas, Jessie Orvin, Denis Laporte, Hervé de Serouer, Paulette Mathéo, Viviane Vincent, Marie-Claude Hamel et Jean-Paul Vaupré. Pas d'autres candidatures? Vous êtes sûr? Très bien. Donc je mets aux voix cette proposition. Y a-t-il des votes contre? Je n'entends personne, je ne vois pas de main se lever. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, cette liste de noms va permettre de nous représenter au sein du CLAJ.